Salut à tous, c'est Elixor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deck Fortissimia X. Je vous ai parlé la semaine dernière des 3 Adorami avec Pechaminus en 4ème. Et cette semaine, Fortissimia X qu'on n'avait absolument pas vu parce que je l'avais complètement retiré du deck de la semaine passée pour laisser que la version classique. En ayant dans l'idée de proposer cette semaine un deck full Fortissimia X qui le met vraiment à l'honneur. En Pokémon principal, en main, en attaquant. Et c'était vraiment une terrible erreur. Pour vous donner un petit peu le topo, l'enregistrement a duré toute une journée. J'ai commencé à 9h. J'ai terminé avec une petite pause en fin de journée sur le coup de 21h. J'ai fait plus de 35 combats. J'ai quasiment dû dépasser les 40 avec Fortissimia X. J'ai essayé 2-3 versions différentes, parce qu'à un moment je me disais c'est pas normal, sur les quasiment 40 combats que j'ai fait. J'en ai gagné, je sais pas, peut-être 5, à tout casser, un petit 10% de victoire avec ce deck. C'est juste n'importe quoi, et il m'a fallu quand même une quarantaine de combats pour me rendre compte que cette carte est éclatée au sol. Et même si les combats que vous verrez après, c'est les moins pires que j'ai trouvés, mais on va très vite comprendre pourquoi ce Pokémon est éclaté. Et pourtant, il y avait quand même une excellente idée. Le postulat de base pour moi était très très cool. Fortissimia X, 210 de points de vie. 210, bon, on se rend compte que c'est déjà un peu bas. Le type ténèbre, c'est pas mal. On a quelques Pokémon qui ont une faiblesse ténèbre, entre autres le deck Gardevoir X, où il y a moyen de moyenner. Le talent, et c'est ça qui était hyper intéressant, son talent fausse joie. Si Fortissimia X est mis KO par les dégâts d'une attaque d'un Pokémon de l'adversaire, et qu'on a Pechaminus en jeu, dans ce cas-là, l'adversaire récupère une carte récompense de moins. Donc à la place de récupérer 2 cartes récompense, il en récupère une seule. Et à côté de ça, coup de boule abject, 3 énergies, 190 de dégâts. Donc la stratégie de base, c'était de se dire, ben, Fortissimia X allait être géré comme une carte One Prize, étant donné qu'à chaque fois qu'il allait être mis KO, l'adversaire n'allait récupérer qu'une seule carte récompense, et on allait taper plus ou moins fort parce qu'on tape à 190 de dégâts. Sauf que ça, c'est absolument pas passé comme ça, et vous allez comprendre pourquoi. Fortissimia X, donc Pokémon de base, pour ça il fallait l'accompagner. J'ai laissé quand même le Favianos, que j'avais retiré pas mal de temps, et je me suis rendu compte que je m'en sortais mieux avec, donc le Favianos X qui est là en support, son talent renverser la tendance. Une fois durant notre tour, si l'un de nos Pokémon a été mis KO durant le dernier tour, ce qui est censé arriver assez régulièrement, on pioche 3 cartes dans notre main. On ne peut utiliser le talent évidemment qu'une fois par tour. L'attaque du Favianos, flèche cruelle, 3 énergies, 100 de dégâts sur l'un des Pokémon de l'adversaire. Donc le talent, dès qu'on a un kill, on pioche 3 cartes. Et en plus de ça, on peut venir taper sur le banc pour mettre le coup de grâce. Ou venir taper une petite carte récompense de gratte sur n'importe quel Pokémon qu'on peut retrouver, un Rukul, un Salamèche, sur ce type de deck, un Tarzal ou autre en One Prize. Mais vraiment le talent sur le Favianos. Évidemment le Pechaminus, j'aurais d'ailleurs tout de suite dû passer par lui après le Fortissimia X, le Pechaminus X qui est là. Le Pechaminus X qui permet à notre Fortissimia X eh ben, de récupérer une carte récompense, de faire en sorte que l'adversaire récupère une carte récompense en moins quand notre Fortissimia X est mis KO. Donc ça c'est pas mal. Comme la semaine dernière, son talent chaîne en prise qui nous permet d'échanger notre Pokémon actif contre l'un de notre Pokémon ténèbre de banc, à l'exception du Pechaminus. Dans ce cas-là, notre nouveau Pokémon actif est empoisonné. On va le voir que le poison c'est toujours intéressant. Et son attaque, emportement agacé, 2 énergies, 60 dégâts pour chaque carte récompense que l'adversaire a récupéré. Et contrairement à la semaine dernière, on s'est absolument pas servi du Pechaminus X, parce qu'on avait le Felicanis X qui était juste éclaté, il était hyper bulky, on n'utilisait que lui. Là, étant donné que notre Fortissimia X est vraiment, vraiment tiers moins, en fin de game, on sera obligé d'avoir le Pechaminus pour faire 2 gros dégâts. Le Morpeko également que j'ai laissé, ça a été la petite surprise la semaine dernière, mais le Morpeko pour moi est extrêmement puissant. Il inflige 70 de dégâts,
avec la faiblesse, ça peut faire 140. Si en plus de ça, on se rappelle, hein, mais on a le bonus du poison, on inflige 110, 200 mètres avec la faiblesse, donc Morpeko peut être hyper bulky. Et sinon, bah, c'est l'occasion d'avoir un Pokémon sans encadrer règles, de manière à aller taper, entre autres, le Mimiki, comme on a pu le voir dans l'épisode de Mardi Tactique. Et s'il n'a pas d'énergie, ça reste un pivot, donc c'est une très bonne solution. Amphinobi Radieux, toujours là, on défausse une carte, énergie plus précisément, et on pioche deux cartes. Et enfin, le Tapato SX que je n'avais pas mis la semaine dernière. Et par contre, avec Fortissimia X, obligé d'avoir le Tapato S si on veut ce setup très très rapidement. Sinon, on prend très rapidement du retard. Du côté des cartes récompenses, l'Aspirateur perdu qui est toujours là. La Civière Nocturne également, nouvelle carte que j'apprécie énormément. On peut récupérer un Pokémon ou une carte énergie de base de notre pile de défausse pour la placer dans notre main. L'échange d'énergie, pareil qui n'était pas là la semaine dernière, mais cette semaine, on est vraiment sur quelque chose de différent. Où à chaque fois, on va devoir setup assez rapidement le Fortissimia X. Il a que 210 de points de vie, il sera mis KO très régulièrement. C'est aussi pour ça que l'adversaire ne récupérera qu'une seule carte récompense. Par contre, en contrepartie, pour pouvoir attaquer chaque tour, il faudra ce setup. Et donc là, l'échange d'énergie va être hyper important, qui nous permet de déplacer une énergie de l'un de nos Pokémon vers un autre de nos Pokémon. La Faible Ball, toujours là, bien évidemment. Le Fortifiant Obscur, qui est toujours là, qui nous permet d'attacher une carte énergie ténèbre de base de notre pile de défausse à l'un de nos Pokémon ténèbres de banc. Je suis allé un peu rapidement. La Mass Ball d'Issue également. On a l'Amphinobi Radieux qui est là. On a tous les autres Pokémon qui sont là, le Tapato SX, pardon, entre autres, qui est également là. Ça fait une balle en plus qui nous permet de récupérer un Pokémon de base dans nos cartes récompenses. Donc, toujours utile. La Mega Can, on remonte 3 cartes, Pokémon et ou énergie. Et dans ce deck, et ben, c'est les cartes énergie qu'on va être amené à remonter très très régulièrement. Et ça, vous le verrez en combat. Le Parfum Inhibiteur, petite carte qui est là au cas où, qui va nous permettre de passer, entre autres, le Mimiki, et également le Ogre Pond Masque de Pierre, hein, qui ont des talents un petit peu dérangeants. Voilà, Parfum Inhibiteur, c'est une seule carte sur 60, mais malgré tout, c'est la carte qui peut nous débloquer la game. Le Pokématos 3.0 pour récupérer une carte supporter dans notre deck, le Registre Ami, pour remonter deux cartes supporters de notre pile de défausse dans notre deck. L'urne terrestre qui est toujours là, le deck est très similaire à celui de la semaine dernière, pour récupérer jusqu'à deux cartes énergie de base. Le Pokéstop également, on joue pas mal de cartes outils, donc le Pokéstop est très très pratique, si on défausse de l'énergie c'est absolument pas grave. On défausse les trois cartes du dessus de notre deck, et on y récupère les cartes objets qu'on y trouve. Attention, bon, ça fait déjà un an depuis la rotation, les cartes outils ne sont plus des cartes objets, et c'est vrai que quand on défausse des cartes outils avec le Pokéstop, en général, on a un petit peu le seum. Le Stadorwin, qui est une carte que je n'avais pas mis la semaine dernière, mais compte tenu qu'on a le Tapato SX cette semaine, eh ben, ça peut être utile, hein. Si on a 5 Pokémon de banc, dont le Tapato S, on pose le Stadorwin, et on passe de 5 à 4 Pokémon de banc, dans ce cas-là, on est obligé de défausser l'un de nos Pokémon de banc. Et ça peut être l'occasion bah, de faire sauter le Tapato SX, qui a 162 points de vie, c'est vraiment peu. C'est deux cartes récompenses assez gratuites pour l'adversaire. Donc c'est l'occasion de s'en débarrasser comme ça, après bien évidemment avoir utilisé son effet. Art secret de Janine, qui est toujours là. On attache deux énergies ténèbres de base de notre pile de défausse à deux de nos Pokémon ténèbres. Et si l'un de nos Pokémon est sur le poste actif, il devient empoisonné. Cassis, toujours, on échange et on inflige 30 dégâts supplémentaires au Pokémon X et au Pokémon actif de l'adversaire, ou l'un ou l'autre, c'est surtout les dégâts supplémentaires qui vont nous arranger. Machine, chaque joueur mélange sa main avec son deck. Vous connaissez, je passe assez vite sur la composition, parce que je vais revenir après sur Fortissimia, pour vous donner les quelques points qui m'ont vraiment dérangé. La recherche professorale, défausser votre main, piocher cette carte, on connaît. Selena, nouvelle carte rajoutée. Les parties sont censées durer longtemps, comme l'objectif c'est quand même de faire en sorte que l'adversaire ne récupère qu'une seule carte récompense quand il met KO
notre Fortissimia X, et ben ça veut dire qu'on retombe sur un One Prize, et en One Prize, les parties sont très très longues, et parfois on peut avoir besoin de remonter des cartes de notre pile de défausse dans notre deck, et Selena est là pour ça, on lance deux pièces, et pour chaque côté face, on vient rajouter une carte de la pile de défausse sur le dessus de notre deck, tout en choisissant l'ordre avec lequel on replace les cartes sur le dessus, et ça, ça peut être extrêmement pratique. Le Moki de servitude qui est toujours là, ce n'est pas un Moshi, c'est un Moki. Les attaques utilisées par nos Pokémon empoisonnés infligent 40 dégâts supplémentaires, donc notre Fortissimia qui était à 190 passe donc à 230, et à 230 on commence déjà à one-shot pas mal de Pokémon du méta, pas tous malheureusement, et on y reviendra juste après. L'énergie héritage qui est là, et c'était l'idée de départ que j'avais, l'énergie héritage, qui en plus de fournir n'importe quel type d'énergie à un Pokémon, et bah l'effet de cette énergie là, quand l'adversaire met KO le Pokémon auquel elle est attachée, l'adversaire récupère une carte récompense de moins. Donc l'énergie héritage sur le Fortissimia X avec le Pêchaminus qui est sur le banc, l'adversaire, au lieu de récupérer deux cartes récompenses, en récupère 0. Et ça, c'est quand même une strat de base qui est très très cool. Alors elle est très fun uniquement sur le papier, mais c'était vraiment l'idée de départ. Et enfin, nos cartes énergie qui sont là, on en a 9, il me semble, j'avais un petit peu augmenté, on en a 9, c'est ça, parce qu'on a beaucoup, beaucoup besoin de ce setup en énergie. Voilà le tour de ce deck, je passe pas plus de temps dessus, parce que la decklist, comme d'habitude, est dans la description de la vidéo, mais je vais revenir un petit peu sur Fortissimia X avant de passer au combat, pour essayer de vous faire comprendre pourquoi cette carte est éclatée au sol, alors que l'idée de départ était vraiment cool. 210 de points de vie, déjà, c'est pas énorme. C'est clairement pas énorme. Si on prend un Irfoudre X, qu'on rencontre pas mal, c'est 3 énergies, 7-14-21. Si on rencontre d'autres Pokémon, on avait le Miraidon X qui tapait à 220. Donc là, c'est pareil, ça one-shot. Des Pokémon comme le Rugilune, qui inflige 70 de base, et ben dès qu'il y a 14 cartes temps passé dans la pile de défausse, ça one shot également. 210, c'est vraiment peu. C'est plus que le Tapatos Eggs avec 160 bien évidemment, mais c'est vraiment peu. Et on a là le premier souci de ce Pokémon, c'est que comme il a peu de points de vie, et ben il va se faire one shot quasiment à chaque tour. Le deuxième souci, et ben c'est que son attaque coûte 3 énergies. Donc à chaque fois que votre Pokémon va être mis KO, il faudra durant le tour d'après rattacher 2 voire 3 énergies à votre Fortissimia X si vous voulez l'utiliser pour réattaquer, sous peine bah, de devoir passer le tour, et en général quand on passe un tour dans une partie, c'est quasiment peine perdue. Donc pas assez de points de vie pour éviter de se faire one shot, une attaque qui coûte 3 cartes énergie, ce qui est énorme. L'attaque qui coûte 3 cartes énergie n'inflige que 190 de dégâts, et là 190 de dégâts, on commence à rentrer sur le problème, c'est que c'est pas assez, c'est clairement pas assez, 190, alors oui, je parlais de la faiblesse tout à l'heure, avec la faiblesse évidemment on one shot, mais sans la faiblesse, 190, on ne tue quasiment personne dans le méta, on tue Mew, ok, on tue Tapatos X, ok, on tue Luminon V, ok. Mais après ça, c'est terminé. Gardevoir X, oui, parce qu'on aura la faiblesse. Mais Irfoudre, que, voilà, on en reparlera après. Mais si on prend par exemple Ogre Pond, 210, on ne le one-shot pas. La stratégie pour aller one-shot un peu plus de Pokémon, ça va être de l'empoisonner pour lui mettre le Moki. Donc 40 points de vie, 40 dégâts supplémentaires. On passe de 190 à 230. Donc 230, c'est mieux forcément que 190. Mais même là, à 230, on se retrouve bloqué. Je parlais de Irfoudre tout à l'heure, et pour moi, Irfoudre, c'est l'exemple le plus flagrant. Irfoudre, c'est 240. Donc notre Fortissimia X, même si l'adversaire prend une carte récompense à chaque tour, il faut qu'on s'emmerde à lui attacher 3 énergies, à lui placer le poison, à avoir le Moki, tout ça pour qu'à la fin, quand on attaque,
eh ben, on lui inflige 232 points de dégâts sur 240, et ça, c'est énorme. La gestion des énergies, gros souci. Et à côté de ça, bah forcément, on a les Pêchaminus qui sont sur le banc, et il est pas rare que l'adversaire joue un ordre du boss, aille taper directement le Pêchaminus, au lieu de prendre une carte récompense, il en prend deux, et on se retrouve avec un Pokémon qui ne frappe pas fort, qui peut se faire one shot, même si l'adversaire ne prend qu'une carte récompense, et bah forcément qu'à côté de ça, on kill trois fois le Pêchaminus, et on en parle plus, sachant qu'on peut avoir le Tapatoès. Et on a là cette grosse problématique, c'est que oui, le talent est intéressant, l'adversaire peut récupérer une seule carte récompense, si ce n'est parfois zéro, si on a l'énergie héritage sur le Fortissimia, mais à côté de ça, eh ben, il est en défaut sur tout le reste. Pas assez de points de vie, ne tape pas assez fort, et a besoin de trop d'énergie pour ce setup, et bah, c'est tout ça qui fait que, sur le papier, la carte peut être fun, mais elle est complètement éclatée et nettement en dessous de tout le méta actuel. Voilà pour mon petit Laus sur cette carte, je pense que vous l'aurez compris. On va passer au combat, vous allez voir dans le combat, j'ai aussi pas mal de choses à vous dire. J'ai réussi à enregistrer deux combats que j'ai gagnés, loin d'être les meilleurs combats, mais dans les deux parties, vous allez rencontrer toutes les problématiques dont je vous ai parlé là, ce setup, les points de vie, les dégâts, on va les retrouver à chaque fois. Et ben voilà pour cette petite description de ce deck. Comme d'habitude, la decklist, si jamais vous avez le courage de l'essayer, dans la description de la vidéo. Et nous, et ben on est parti pour le premier combat. On est parti pour le premier combat face à Xiante. Et ce premier combat, je vous l'ai dit, hein, j'en ai gagné 5 sur une quarantaine. Ce premier combat qui n'aurait dû jamais se passer comme ça. Allez, la pièce est lancée, c'est pile. L'adversaire décide qui va démarrer. Évidemment, nous, on aimerait bien jouer premier, parce que 3 énergies, c'est assez chiant à attacher. Si on peut au moins en mettre une durant le premier tour, c'est toujours ça de prix. On a en plus le Tapatoès, donc si on peut en attacher une et défausser quelque chose, c'est pas mal. Il nous laisse jouer premier, ce qui, pour le coup, est vraiment cool. Et nous, eh ben, on est tout de suite parti. Amphinobi et le Fabianus X, qui est pas forcément trop mal. Je place Amphinobi sur le poste actif, sachant que si j'ai Pêchaminus, eh ben je pourrais battre en retraite. En face, c'est la misère. Et on a 3 énergies. On a vu de l'énergie plante, de l'énergie électrique. Ce sera donc bien évidemment le deck Irfoudre X qui sera joué en face. Et je vous en ai un petit peu parlé il y a quelques minutes. Et eh ben c'est avec l'occasion de mettre en lumière justement tout ce dont je vous parlais. Allez, c'est l'Ogerpont plante qui est rentré. Nous, on a récupéré de l'énergie. Tout de suite, carte dissimulée. On défausse de l'énergie. On pioche deux cartes, dont le Pêchaminus, ce qui est plutôt pas mal. Le Pêchaminus est posé. Le Faviano, ça peut être un peu tôt. Mais dans le doute, comme Amphinobi peut être Mikao, au moins il est posé. Une énergie sur le Favianos, une deuxième. Pourquoi sur le Favianos plus que sur le Pêchaminus? C'est compliqué à dire. L'adversaire pourrait être tenté de kill le Pêchaminus, il peut aussi être tenté de kill le Favianos, bien évidemment. Allez, hyperbole de jouer, on a déjà un Irfoudre et un Ogerpont sur le banc. Il va venir récupérer le Tapatoès X avec une énergie électrique et une énergie plante qui ont été défaussées. Donc là derrière, il n'aura plus qu'à utiliser la vitalité du professeur pour setup son Irfoudre, lui placer une énergie. La récupération d'énergie qui a été jouée, on a vu l'énergie plante qui a été remontée. On vient attacher l'énergie plante avec le talent de l'Ogerpont, on pioche une carte supplémentaire. La danse turquoise, une deuxième énergie plante de poser. Là il est pas mal, il inflige déjà 140 de dégâts. La faible ball de jouer, on aura très certainement l'Amphinobi radieux, d'accord, je pensais un deuxième Irfoudre, ce sera l'Amphinobi. Est-ce qu'il a encore autre chose ou est-ce qu'on passe au Tapatoès X? Allez, carte dissimulée, énergie électrique défaussée, on pioche deux cartes. Ça peut être l'occasion de défausser soit d'autres énergies, soit d'attacher déjà une énergie avec la vitalité à l'Irfoudre. L'urne de vitalité qui est jouée, on défausse une autre énergie électrique, ça commence à faire beaucoup. Mais il va très certainement venir récupérer de l'énergie combat, deux énergies. J'en aurais peut-être pris qu'une, hein, parce que là il va quand même en défausser pas mal avec le Tapatoès. Énergie combat de poser. Le talent du Tapatoès qui est utilisé, on défausse sa main, on vient piocher.
Et ouais, il avait refusé de poser le l'Auger Pond pour laisser l'Amphinobi et laisser une place pour justement placer Irfoudre Énergie Combat, de placer l'amulette de bravoure qui est là, la vitalité, et ben voilà, on va avoir le premier kill sur l'Amphinobi Énergie Électrique et Énergie Combat de placer, 290 de dégâts, Irfoudre, et là, et ben ça va être la première difficulté, on ne va pas pouvoir le one-shot. Et lui, bah forcément, il va nous kill, il va défausser deux énergies, très certainement énergie plante et énergie combat, ou deux énergies, une à chaque Irfoudre. Il utilisera la vitalité du professeur durant le prochain tour, c'est possible aussi, non, ce sera énergie plante et énergie combat. Le kill qui est mis, première carte récompense de récupérer. Nous, on vient rentrer le Favianos, et on va pouvoir utiliser le talent du Favianos, et ça, ça va être pas trop mal. La Faible Ball qui est récupérée. On va pouvoir, avec la Faible Ball, récupérer justement notre fameux Fortissimia X qui est là. On a le Tapatoès également qui est là. C'est un petit peu tard, c'est dommage. Le talent qui est utilisé du Favianos, on vient piocher 3 cartes. On va essayer de récupérer. On va essayer de récupérer de quoi à ce setup. J'aurais bien voulu récupérer Janine, mais malheureusement, c'est pas tombé. La Mass Ball qui là va servir, on vient tout de suite prendre un deuxième Fortissimia. Le Morpeko qui ne sera pas utile, on va le laisser dans les cartes récompenses pour l'instant. On va poser le Pokéstop, peut-être récupérer le Pokématos, pourquoi pas, sait-on jamais, il y a quand même pas mal de risques de défausser des cartes importantes. Et on vient défausser Machine, on récupère la Civière et le Parfum. Alors je joue directement la Civière hein, sans regarder l'Amphinobi qui avait été défaussé. On va pouvoir le récupérer, enfin qui a été défaussé. Qui avait été mis KO surtout. L'Amphinobi est joué. On vient utiliser carte dissimulée. On défausse une énergie. On pioche deux cartes. Toujours dans l'optique de récupérer Janine. On a le fortifiant malgré tout. Et trois Moki. On va pouvoir poser les Moki. Utiliser le fortifiant. Et malheureusement, eh ben, ce sera tout. Parce que dans notre main, on n'a qu'à 6 qui ne nous servira pas. Allez, énergie attachée au Favianos. Voilà, on n'a malheureusement pas trop le choix. Et ouais, j'ai un peu attendu, mais on finit quand même par la poser. Flèche cruelle, on va afficher 100 de dégâts. 100 de dégâts, c'est pas énorme, ça ne touchote pas l'Irfoudre. Mais avec les 100 de dégâts, bah, ça permettra à notre Fortissimia, qui inflige 190, de pouvoir mettre le kill. Sachant que là, bah, le Favianos, ça va être deux cartes récompenses. Donc on va très rapidement perdre l'intérêt de justement jouer du One Price, comme je le disais, avec le Fortissimia X. Allez, énergie plante de poser, on pioche une carte. Et ouais, le talent d'Auger Pond, toujours très très pratique. Irfoudre qui est un deck qui tourne extrêmement bien, qui risque de s'en sortir un petit peu moins bien avec les dernières extensions qui sont arrivées. Mais Irfoudre est juste excellent. Alors, alors où je vous parle, les worlds ne sont pas finis. Hein, donc, je ne sais pas, peut-être qu'Irfoudre se placera en tête des worlds. Peut-être dans les juniors. Hein. Les juniors adorent jouer Irfoudre, pourquoi pas. Mais chez les masters, ça me paraît compliqué. Allez, la récupération d'énergie qui est utilisée, énergie plante, qui a été récupérée avec une énergie combat de poser sur Irfoudre. Carte dissimulée, on défausse l'énergie plante pour repiocher deux cartes. L'adversaire qui cherche quelque chose, alors quoi, je sais pas. Peut-être venir taper le pêche à minus. La machination de Xantin qui est jouée. Machination de Xantin qui, je pense, est vraiment sous-estimée. La carte, c'est quand même l'adversaire défausse des cartes de sa main jusqu'à n'avoir que 3 cartes en main. C'est juste impressionnant. À quelques exceptions près, je pense que cette carte a de la place pour faire mal dans, en tout cas face à tous les decks adverses. Si ce n'est si on tombe sur un deck Rugilune où là forcément l'adversaire sera heureux de défausser. Et encore, hein, s'il a, comme là en face, 10 cartes, bah, s'il doit en défausser 7, ça lui fera bizarre. Allez, Irfoudre qui attaque, qui va défausser 3 cartes et qui va mettre le kill sur le Favianos X. Et nous, bah là, il nous faut 2 énergies pour pouvoir attaquer. Hein. On a déjà 3 cartes récompenses de retard. Et il va falloir réussir à ce setup, je disais. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Je peux rentrer, alors je rentre le Fortissimia, je pouvais rentrer l'Amphinobi. Sachant que le Pokémon, pour utiliser l'or du pêche à minus, ce qui est important, c'est d'avoir un Pokémon ténèbre sur le banc. Si le Pokémon actif n'est pas un Pokémon ténèbre, c'est pas grave, il pourra quand même battre en retraite. Allez, la recherche professorale qui est jouée.
Et là, bah oui, bah, il me manque un petit peu le fortifiant pour attaquer. Il manque le fortifiant, on va venir défausser le Pokématos. On va récupérer 2 énergies. Et on va regarder dans le deck combien il nous reste de fortifiants. Il nous reste qu'un seul fortifiant. Et donc là, eh ben, ça va être assez compliqué. Allez, carte dissimulée, on croise les doigts malgré tout. Sur un malentendu, ça peut tomber. Encore Janine et le Pokéstop. Janine qui aurait pu être intéressant hein, si jamais eh ben, on avait utilisé la recherche professorale avant. Le Pokéstop et le fortifiant qui tombe avec la faible ball. Les probabilités quand même pour que ça arrive étaient assez minces. On va venir placer notre énergie sur le Fortissimia. On va venir faire le switch. Et on va pouvoir attaquer, infliger 190 de dégâts, mettre le kill et prendre nos 2 premières cartes récompense. Sachant que derrière, on a encore un Irfoudre qui est prêt à nous faire très très mal. Qui a déjà une carte énergie qui lui est attachée. Et il aura suffisamment avec 3 énergies. Il monte à 210. Donc très très attention. Allez, la carte énergie récupérée et le Fortissimia X. Fortissimia X, on en a besoin. Forcément, étant donné qu'on la considère comme du one prize qui meurt et qui se fait one shot à chaque tour, il faut qu'on le récupère assez facilement. C'est aussi pour ça qu'on a la canne, on va remonter de l'énergie. Mais pourquoi pas le Fortissimia? Parce que 4 Fortissimia KO dans l'absolu, c'est que 4 cartes récompenses de récupérer. Peut-être même que 3 cartes récompenses si on avait l'énergie héritage. Donc on est quand même bien content de récupérer ce Fortissimia. Allez, Irfoudre, il lui manque une énergie électrique et il nous one shot. Comme ça, ce sera fait. L'urne terrestre qui est utilisée. Est-ce qu'il lui reste de l'énergie électrique? Ça, c'est la bonne question parce qu'il a quand même défaussé pas mal d'énergie électrique en début de partie. Alors, dans le pire des cas, il peut récupérer de l'énergie plante pour bénéficier du talent de Logger Pond et espérer piocher la vitalité du professeur ou peut-être de la récupération d'énergie ou de la méga récupération. Bah non, voilà, l'énergie électrique, elle est là. Il va pouvoir la poser. Récupération, ça va être l'occasion de remonter de l'énergie plante, parce que j'allais dire, effectivement, il n'a pas récupéré d'énergie plante, il aurait pu prendre une énergie électrique et une énergie plante. Non, les 2 énergies plantes ont été récupérées. Il va pouvoir utiliser la danse turquoise sur chacun des 2 Ogre Pond, placer une énergie à chaque fois et piocher une carte. Attention malgré tout à son deck, hein, qui commence à se vider assez dangereusement. Voilà, je regarde un petit peu. Une seule vitalité du professeur utilisée, il lui en reste dans l'absolu 3. Donc de quoi faire très très mal. Allez, 4 énergies de posée, la 5e énergie électrique qui va être posée. Carte dissimulée qui va être jouée, l'énergie combat qui est défaussée. Bon, on se rappelle qu'il a encore l'énergie électrique. Et s'il a la vitalité, eh ben, il pourra setup ses 2 Irfoudre. L'amulette qui est posée, l'amulette, eh ben, c'est dérangeant. C'est très très dérangeant, ça va nous empêcher de tenter de le one shot avec le Fortissimia, sachant que Fortissimia, je le disais tout à l'heure, hein, c'est 230 s'il est empoisonné. Pour mettre le kill, il faudrait pouvoir taper avec Cassis, mais Cassis que l'on a pu, hein, dont on s'est débarrassé en début de game. Ordre du boss sur le Pêchaminus, et là, et ben forcément 2 énergies défaussées, c'est le kill. Et c'est ce que je vous disais, c'est que même si en début de partie, l'adversaire peut traîner un petit peu à taper le Fortissimia X et donc récupérer une seule carte récompense, et bien très rapidement on se retrouve dans cette situation-là qui est extrêmement compliquée à gérer, bien évidemment. Allez, la civière nocturne qui est tombée, la civière nocturne qui peut être intéressante pour le Favianos. Hein. Le Pêchaminus, on l'a encore sur le poste, on l'a dans notre main, mais voilà, le Favianos qui va être récupéré. Ça, c'est déjà pas mal. Là, l'idée, ça pourrait être de setup justement le Pêchaminus. Pêchaminus qui tape actuellement à 300 de dégâts. Et 300 de dégâts, si on arrive à avoir machine en même temps, l'adversaire n'a plus de carte récompense dans sa main. Ça pourrait être l'occasion d'essayer de remporter la game comme ça. Allez, la faible ball qui est jouée. C'est surtout l'occasion de regarder ce qu'il reste dans le deck. Il reste machine. Il reste 2 énergies. Sachant que nous, bah, il nous faut au moins 2 énergies attachées au Pêchaminus. J'ai l'échange d'énergie qui est là, j'ai également l'énergie ténèbre. Donc dans l'absolu, pas forcément besoin d'autres énergies, mais c'est surtout machine qui va m'intéresser, parce que là on va mettre le kill avec le Pêchaminus. Mais si l'adversaire a encore des cartes dans sa main, ben malheureusement, ce sera perdu.
Allez, le talent du l'Amphinobi, non, toujours pas de machine qui tombe. Il nous reste le registre ami et le Pokématos. Allez, juste avant, on joue la Faible Ball. La Faible Ball, on récupère n'importe quelle carte. C'est le Faviano, c'est surtout pour avoir une carte en moins dans notre deck, parce que là, bah, ça va être très très important. C'est là qu'on va faire un peu des stats. Dans la pile de défausse, je me rends compte qu'il me reste une deuxième carte machine. Donc on est parti. Allez, la carte machine de la pile de défausse qui est remontée. On a donc deux cartes machines sur 12 cartes. Est-ce que le Pokématos, sur les 7 premières cartes, est-ce qu'on va pouvoir récupérer machine? On a de la chance. On a une des deux machines qui tombe et qui va nous permettre de tenter de revenir, même si c'était très très mal parti. Allez, on bat en retraite parce que là on ne peut pas utiliser le talent du Pêche-à-Minus. Le talent du Pêche-à-Minus nous empêche de rentrer Pêche-à-Minus sur le poste actif. Donc on défausse une énergie. Machine qui a utilisé, on va récupérer nous 4 cartes, l'adversaire une seule. Et évidemment c'est là-dessus que je mise tout, parce que si la seule carte que l'adversaire récupère c'est la vitalité du professeur, c'est à peu près sûr que c'est perdu. Allez, 300 de dégâts, ça one shot, on croise les doigts, c'est la seule possibilité, la seule condition dans laquelle on peut one shot comme ça un Irrfoudre, sinon c'est extrêmement compliqué. Les deux cartes qui sont récupérées, un fortifiant et une Mass Ball, l'adversaire qui vient rentrer Irrfoudre. Je suis pas certain, il aurait pu rentrer en Finobi, c'est du one prize, mais si effectivement il récupérait ce qu'il fallait, il a l'urne terrestre, donc s'il a encore d'énergie dans la main, enfin dans le deck, avec l'urne terrestre, il récupère deux énergies plantes, il attache l'énergie à chaque Ogre Pond, ça lui permet de piocher une carte à chaque fois supplémentaire, ce qui est pas trop mal, c'est exactement ce qu'il va faire. Sinon il peut également utiliser le talent de l'Amphinobi, on défausse une carte, on pioche deux cartes, ce qui est pas mal. Allez, on va déjà voir ce qu'il fait avec ses Ogre Pond, justement, les deux dents turquoise qui sont utilisées. Voilà, si là, il récupère la vitalité du professeur, ça peut faire extrêmement mal. Alors, il lui manquera encore une énergie, mais la vitalité du professeur, on pioche des cartes. Donc, si il a là la vitalité et que dans la pioche, il récupère la récupération d'énergie, c'est terminé. Il abandonne, c'est bien qu'il n'avait plus rien dans la main, mais c'est quelque chose qui n'arrivera quasiment jamais. On a réussi à... Bah en fait, c'est Machine sur la fin de game qui nous a sauvé la vie. Si on n'avait pas eu Machine en fin de game, on avait perdu. C'était clair et net. On le voit là, le MVP. C'est même pas Fortissimia X. C'est ça qui est terrible. C'est Pêche-à-Minus X. Donc finalement, la star de ce deck, c'est quasiment Pêche-à-Minus, hein, et pas Fortissimia, parce que Fortissimia X est tributaire de Pêche-à-Minus. Si Pêche-à-Minus X n'est pas présent, bah Fortissimia X, son talent ne sert à rien. Donc voilà pour cette première petite victoire face à Irrfoudre, mais on se rend très très vite compte eh ben, qu'on a d'énormes difficultés avec ce deck. Et on est parti pour le deuxième combat face à Original Pidgeon, le Rukul Original. Lancé de pièces, on est parti, on a choisi pile, et c'est face, bien évidemment, sinon c'est absolument pas drôle. Encore une fois, on aimerait bien démarrer, ce serait pas mal. On a vu tout à l'heure que, voilà, jouer deuxième, il avait ses raisons. Et il avait d'ailleurs réussi à nous kill dès le premier tour. Encore une fois, on rejoue premier, et ça c'est assez sympa. Première main, Fortissimia et Favianos. Bon, on va placer, alors on devrait placer, ouais, le Favianos. La semaine dernière, on m'a dit que le Favianos, je le posais souvent tôt dans la partie. C'est vrai, mais en même temps, là, le Fortissimia, pour pouvoir le setup grâce au fortifiant, il faut qu'on l'ait sur le banc. Si on l'a sur le poste actif, ça ne marche pas. Allez, Fortissimia, justement, de poser la Faible Ball, d'utiliser, on vient tout de suite récupérer le Tapatoès. L'idée, c'est vraiment de venir défausser sa main rapidement, juste avant le Moki qui est posé, l'urne terrestre qui est utilisé, on défausse l'énergie ténèbre, on récupère deux énergies. Ouais, j'ai hésité, voilà, on récupère une ou deux. On peut en récupérer qu'une, ça a du sens. Ça a du sens. Allez, le fortifiant qui est utilisé. Et là, eh ben, on va venir utiliser tapage et prise. L'énergie qu'on a récupérée, on la défausse. J'aurais pu en récupérer deux. Mais j'ai l'énergie héritage qui tombe tout de suite. Et là, c'est plutôt cool, ça me permet de la poser. Le fortifiant, je vais le jouer quand même. Comme ça, au moins, ce sera fait. Déjà, deux fortifiants de jouer
dans la partie en un tour. On est setup à la fin du tour et on est pas mal. On a fait un premier tour qui est excellent. On peut difficilement faire mieux. On a le Tapatoès qui est sur le banc, qui nous a bien aidé. Maintenant, il est sur le banc. Mais au moins, on est setup. Allez, Roucoule sur le poste actif. Roucoule sur le banc. Jack qui est utilisé. Le Roucarnage Ex ainsi que le Dracofeu Ex qui sont récupérés. Évidemment, quand on voit Roucoule, il y a de fortes chances qu'on affronte un deck Dracofeu Ex. Et c'est bien le cas. Appel à la famille. Utilisé. Choix très audacieux. D'ailleurs, de jouer deuxième quand on joue Dracofeu en général, c'est parce qu'on a le CT. Là, on joue pas le CT. C'était surprenant. C'était un choix très surprenant, ce qui va aussi expliquer qu'on gagne la game parce qu'il nous laisse un petit tour de répit dès le début. Et ça, c'est très gentil. Allez, le Pokématos qui est utilisé. Je sais pas trop ce que je recherchais. Mais en tout cas, je ne vais rien prendre. La recherche professorale qui va nous être extrêmement pratique. Je pose l'énergie ténèbre sur le Favianos. Soit je battrai en retraite. Soit si je fais l'échange, et ben ce sera une énergie qui sera déjà posée. On a le Pêchaminus X qui est récupéré, donc on va pouvoir faire l'échange. L'échange, on va s'empoisonner, mais de toute façon, une fois qu'on va mettre le premier kill, le Dracofeu adverse ne tapera plus à 180, mais à 210. Donc de toute façon, il nous one-shot. On attaque, 230 de dégâts. On prend notre première carte récompense dans ce combat qui va être très... très particulier. Et c'est là aussi où je dis que 210 c'est pas énorme. Et bah oui, hein, voilà, on met un kill derrière. Dès ce moment là, le Dracofeu Ex nous one shot. Dracofeu Ex qui justement alors on a le Roucarnage Ex d'abord qui est posé, mais qui dit Roucarnage Ex bien évidemment dit l'arrivée du Dracofeu Ex qui va être là et qui va juste nous one shot, hein, tout simplement. Le Super Bonbon et le Dracofeu Ex qui est posé, le talent du Dracofeu Ex qui va lui permettre de se setup de deux énergies et qui va ne faire qu'une bouchée de notre Fortissimia. Alors attention, si il joue dans cette configuration là, en mettant le kill, il va récupérer aucune carte récompense. Et ça c'est quand même la petite subtilité. Allez, il attaque, 210 de dégâts, il nous one shot, mais on a le talent du Fortissimia, on a le talent... En tout cas, l'effet de l'énergie héritage, l'adversaire ne récupère donc aucune énergie. Et c'est peut-être le play le plus intelligent, parce que sorti de ça, eh ben, on n'a pas grand-chose à faire avec le Fortissimia. Fortissimia qui est posé, voilà, je regarde les fortifiants. Il y en a déjà deux qui ont été utilisés, le troisième, je l'ai dans la main. Avant de jouer, on utilise le talent du Favianus, on récupère un Moki, la civière qui peut être très intéressante. Allez! Le fortifiant, l'énergie ténèbre attachée au Fortissimia X. On va utiliser... Alors là, j'ai l'échange d'énergie, mais en même temps, j'ai Art Secret Janine qui va permettre de setup deux Pokémon avec deux énergies. J'ai la civière pour récupérer ma dernière énergie. Donc, je peux garder l'échange d'énergie pour plus tard dans la game. C'est pas forcément très grave. Allez, alors j'ai cliqué sur Pêchaminus par inadvertance, dira-t-on. Malheureusement, une fois qu'on l'a choisi, on n'a pas le choix. Donc l'énergie va être posée sur le Pêchaminus X ainsi que sur le Fortissimia X. On a la civière qui est là qui va nous permettre de récupérer notre énergie. Il nous en a deux dans la pile de défausse. On va donc pouvoir en récupérer une, l'énergie ténèbre qui est récupérée. D'ailleurs non, il en restait plus qu'une ténèbre étant donné qu'on a remonté l'autre avec le fortifiant. Allez, troisième énergie sur le Fortissimia, ça se déroule plutôt bien. J'utilise le talent du Pêchaminus, plutôt que de battre en retraite, ça me permet de préserver mes énergies. Les énergies qui sont extrêmement importantes. Et là, je tape à 190, alors que j'aurais pu poser le Moki. Si j'avais posé le Moki, je tapais à 230. Et derrière, le Favianos X mettait le kill. Alors que là, ça peut être un peu plus compliqué. Luminéon V qui est posé, Pepper qui est récupéré, recherche rapide... On devrait voir arriver un Salamèche, très certainement, parce que là, plus de Salamèche sur le banc, ça peut être compliqué. Ordre du boss qui est utilisé, l'adversaire qui vient taper directement le Pêchaminus, c'est un petit peu le revenge kill du tour précédent, il a pris aucune carte récompense au tour précédent, là, il vient en prendre deux. Par contre, en faisant ce play, eh ben, il me permet de venir le taper. J'avais fait la bêtise
de ne pas mettre le Moki, parce que sinon le Moki, comme je l'ai dit tout à l'heure, on montait à 230, avec les 100 dégâts du Favianos, on était bon, et là, même pas besoin, il m'offre le kill sur le Dracaufeu X, ce qui est extrêmement gentil de sa part, et encore une fois, ce qui explique pourquoi on va gagner ce combat, parce que face à un deck Dracaufeu X qui est bien joué, notre Fortissimia n'a absolument aucune chance, mais vraiment aucune, de s'en sortir. Là-dessus, on va pas se mentir. L'énergie posée sur le Pêche-Aminus, encore une fois, Pêche-Aminus, ça peut être mon revenge kill de fin de game qui tape à 300 de dégâts. Donc, on va le garder précieusement. Allez, machine, avec qui est utilisée. On récupère un Pokéstop, une énergie. Ça, l'énergie, c'est quand même très très pratique. Une Faible Ball. On a Cassis, pourquoi pas pour la suite, hein, taper 30 dégâts supplémentaires, ça peut être pas mal. Le Pokéstop, je sais pas trop quoi récupérer avec le Pokéstop, j'avoue. Allez, le Morpeko, qui est là, parce que pourquoi pas, ça fait de la place dans le deck. Mais surtout, ça me permettra d'avoir mon fameux pivot, qui me permettra de battre en retraite sans forcément avoir besoin d'empoisonner mon Pokémon actif. Et Morpeko, il y a peu de chances que l'adversaire vienne le chercher. Je mets le kill sur le Dracaufeu X, on n'a pas trop compris comment c'est arrivé. Il aurait dû mettre le kill sur le Fortissimia, même s'il récupérait qu'une seule carte récompense, il nous pénalisait énormément. Alors on aurait très certainement pu faire le revenge kill avec le Favianos. Mais là, ça se complexifie avec l'arrivée de deux Skelenox. Et Skelenox qui, quand il est bien joué avec Dracaufeu X, rend ce deck exceptionnellement dangereux. Même beaucoup trop dangereux, beaucoup plus que ce qu'il l'était au départ. Pour ceux qui ne connaissent pas Skelenox, on a Skelenox, on a Terraclope et au milieu, et à la fin, pardon, Nocturnoir. Terraclope et Nocturnoir peuvent se suicider, hein. On récupère une carte récompense, et en échange, l'adversaire vient placer des marqueurs de dégâts sur nos Pokémon. On a 5 avec le Terraclope et plus d'une dizaine avec le Nocturnoir. Donc ça permet au Dracaufeu, dès sa première attaque, de ne taper non plus à 180, mais déjà à 210, étant donné qu'avec le suicide du Nocturnoir ou du Terraclope, eh ben, il nous permet de récupérer une carte récompense. Donc très très troll. La semaine prochaine, peut-être hein, une petite vidéo sur comment Dracaufeu est devenu encore plus fort, parce que là, on arrive vraiment à un niveau de puissance de Dracaufeu X qui est impressionnant. Je parle, pendant ce temps-là, on a notre Fortissimia qui est toujours sur le poste actif, hein, depuis qu'il a mis le kill sur le Dracaufeu. On a deux énergies toujours sur Pêche-Aminus. Je ne peux pas attaquer, étant donné que quand on a attaqué avec Fortissimia, on ne peut pas réutiliser l'attaque. Donc on va devoir faire un double switch pour annuler l'effet d'attaque. Et c'est là où Fortissimia n'a pas beaucoup de points de vie, ne tape pas très très fort, a besoin de 3 énergies pour attaquer, a besoin de Pêche-Aminus pour pouvoir utiliser son talent, et en plus de ça, quand il a attaqué, il ne peut pas attaquer durant le tour d'après. Voilà, je crois qu'en 5 trucs, on a tout dit. Fortissimia X, il est vraiment éclaté. Allez, le double switch qui est fait, ça nous permet de réattaquer à 190. Et là, ce qui est pas mal, c'est que 190, l'adversaire n'a plus que 90 de points de vie. Et on pourra donc, avec le Favianos X, venir taper directement le Roucarnage. Et on sera pas trop mal, on récupérera nos deux cartes récompenses. Il ne restera plus qu'une. Et vous allez voir que la partie va être un petit peu serrée malgré tout. Le super bonbon qui est posé, le Dracaufeu X qui est de retour. Les deux énergies qui vont être placées, bien évidemment. Dracaufeu X va nous one-shot, ça fait bien longtemps qu'il nous one-shot, et là, eh ben, je commence à avoir peur assez, assez Skelenox, parce que là, s'il fait évoluer ses deux Skelenox en Nocturnoir, voilà, on voit le premier Nocturnoir qui arrive, Nocturnoir et potentiellement Terraclope, il peut mettre le kill sur le Tapatos, il prend deux cartes récompenses, et Dracaufeu vient kill notre Fortissimia. Il reprend 2 cartes récompenses et c'est terminé. Donc là, je serre les fesses parce que Skelenox sur le banc, il peut faire très mal. On a la pierre scellée qui est posée. Très certainement un super bonbon de récupérer, ce qui va lui permettre de placer le Terraclope. Non, dans un premier temps. Super bonbon Nocturnoir. Non, il vient attaquer
Et c'est là où il nous laisse la dernière petite opportunité de prendre la game. Il prend une seule carte récompense. Et c'est là où pour l'instant, on a plutôt un bon avantage. Nous, si on vient taper le roux carnage, on prend deux cartes récompense. Et lui, derrière, ne pourra plus utiliser son Terraclope ni son Nocturne Noir, étant donné que ça voudrait dire me faire gagner ma dernière carte récompense. Donc là, c'est assez serré. Il me faut juste que j'arrive à placer une énergie sur le Favianos et on sera pas trop mal. La faible ball qui est jouée, je viens vérifier. Est-ce qu'il me reste de l'énergie? Non, il ne me reste pas d'énergie. Donc, Art Secret Janin ne servira pas. Par contre, on a une carte échange d'énergie et une carte Mega Can. Donc, si on a la Mega Can, eh ben, on pourra jouer l'Art Secret de Janin. Sinon, si on a directement l'échange d'énergie, on peut toujours jouer Machine. Sur un malentendu, ça peut lui faire mal. Même si, comme je le disais, je vais récupérer deux cartes récompenses, il ne me restera plus qu'une. Et donc, eh ben, le Terraclope et le Nocturne Noir qui ne pourront plus rien faire. L'échange d'énergie qui a été utilisé, j'ai déplacé une énergie du Pêchaminus sur le Favianos X qui est rentré. On va jouer machine quand même. L'idée c'est de récupérer sur les 4-4 qui restent la canne, histoire de remonter un petit peu d'énergie. Et ça ce serait pas mal. Et on a justement la méga canne. Et ça, ça va faire extrêmement plaisir. Je devrais remonter 3 énergies je pense. 1, 2, 3... je crois que je changeais d'avis au dernier moment. Est-ce que je changeais d'avis pour remonter? Non, je ne changeais pas d'avis. Ouais, 3 énergies, je pense que c'était ce qu'il y avait de plus safe à faire. On pourrait poser l'amphinobiradure, récupérer une énergie et la défausser. Ou alors, plus simple, récupérer directement une énergie et venir la placer sur notre Pêchaminus. Allez, voilà, énergie placée sur le Pêchaminus. Flèche cruelle. On vient mettre le kill sur le roux carnage eggs qui est sur le banc. Et on vient prendre nos deux cartes récompenses. Et là, on n'est pas trop mal. Hein. Quand Dracofeu eggs va mettre le kill, il prendra deux cartes récompenses. Et il nous en restera qu'une. Il lui en restera qu'une. Notre Pêchaminus tapera donc à 300 de dégâts. Mais encore une fois, bah, on n'est que à 300. Allez, l'attrape ultime qui est utilisée, le Pêchaminus. Et là, c'est la plus grosse erreur de la partie. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a joué ça alors qu'il aurait pu kill le Favianos. Il préfère venir taper le Pêchaminus alors que le Favianos va forcément venir taper le Skelenox ou le Terraclope. Alors il mettra pas le kill sur le Nocturne Noir. Est-ce qu'on aura le Nocturne Noir qui va arriver? Parce qu'on a vu qu'il avait le Nocturne Noir hein, tout à l'heure il me semble. Et non, il vient attaquer, donc là, encore une erreur de sa part. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir prendre la victoire avec le Favianos qui vient terminer la game. Mais c'est vrai que s'il avait mis le kill sur le Favianos, eh ben on était quand même un petit peu emmerdé parce que 300 de dégâts, on n'en avait pas plus. Cassis qui était très très loin, je sais même pas si c'était possible de le récupérer. Allez, le Favianos, 100 de dégâts, on récupère notre 6ème carte récompense et on récupère notre dernière carte récompense qui signe la victoire avec ce deck Fortissimia X. Et c'était vraiment terrible. Je suis partagé entre le fait que malgré tout j'ai quand même pris quelques victoires. Alors on est très loin de tout ce qui a pu se passer évidemment. J'ai pris quelques victoires mais cette carte manque clairement soit de puissance, soit devrait avoir plus de points de vie, soit son attaque devrait avoir moins de coût en énergie. Il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose pour que cette carte soit bonne. On est sur de l'équivalent du One Prize, mais qui tape pas forcément plus fort qu'une One Prize, et qui est extrêmement contraignante de par le fait qu'il nous faut Pêchaminus et qu'il nous faut 3 énergies. En tout cas, voilà, je vous l'avais dit la semaine dernière, l'analyse du deck Fortissimia X, c'est fait. Je suis très heureux de l'avoir terminé. Voilà, la semaine prochaine, ça devrait être l'analyse du deck qui a remporté les championnats du monde 2024 qui auront lieu demain quand vous regardez la vidéo dimanche dans la nuit. Et moi, j'ai très très hâte d'y être dès vendredi soir parce qu'on commentera en live dès 21h les différents matchs sur mon stream Twitch.
Et nous, on va s'arrêter là pour cette nouvelle analyse de deck. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du deck Fortissimo Hex et de cette carte. Pour moi, ça a été dur. Ça a été très, très, très dur. Heureux que ce soit terminé. Je vous souhaite une très, très bonne journée, bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine!